Là, il est pas au niveau du sol ici. Mais franchement, il n'y a pas à dire Marco dans son rôle de noir, il est vraiment trop. Ah, il est top. Il est... Re... Ouais. Vous parlez de quoi? Du négro qui vit chez les Tijuana. Là, juste ah, à oui. droite. User disconnected from your channel. Et ensuite à gauche, et ça le fait normalement. Bon, par contre, Alexandre, Alexandre Renard, les mecs, faut, on sait qu'on peut pas compter sur lui sur un dans des actions de fusillade. Hein. Je sais pas où il était, je sais pas où il était le mec. Hein. C'est lequel, c'est le. Bah, il l'a dit, il était dans un hybride, il était en train de chercher les. Putain, Marshall s'est fait buter. Non, il s'est tué tout seul. Il s'est tué tout seul. Bon, bah c'est bon. Victor. Ils veulent faire quoi? Ils veulent qu'on attaque le truc pour prendre le mec en otage? Bah là, on va prendre le cadavre surtout. Donc, Alpelardo, en fait, Renard, il était dans son ifrite. Il a vu le flic, mais il pouvait pas descendre parce que sinon le flic l'abattait. Marco, je suis derrière toi si tu veux. Ah, il se passe quoi derrière moi? Oui. Nous, on se pose où en fait? Enfin, on va à un garage et on y va en ifrite. Ouais, je pense que full ifrite, ils vont shooter à vue les éliminaires et tout ça. Ok. Bah, moi pour l'instant, je suis parti me poser à la base en rebelle parce que vu que je suis mort. Ouais, bah oui, forcément. Bon, bah, on va un ou jumelle. Ouais, je suis en ifrite, je suis en aiming band déjà, t'inquiète. Vous êtes arrêté, les mecs? Pourquoi? Parce que, non, mais le gang des lumières, parce que moi je vois le ifrite, mais toujours au même endroit que tout à l'heure, donc tout le monde est à l'arrêt. Ting data. Bah, je l'ai fait, mais là je vais sortir et puis ils devront me TP. Cette TP toujours à l'extérieur, toi de. Enfin, ça... Non, mais c'est parce que je sors. Ouais, mais ça te sort à l'endroit où est le véhicule oui. pour toi. Où était le véhicule oui. Ouais. Ouais, mais tout à l'heure ça m'a TP de côté de vous. Bon, bah j'arrive à pied. Mais moi je suis pas longtemps en fait. Hein. Ouais. J'arrive à pied quand même. Je vois toujours l'ifrite. Mais je peux pas refaire un sim data. Bon, pas grave. Ouais, donc il y en a un qui est au niveau de l'entrée. Ouais. Bah là, Bellardo, tu vas te faire plaisir, à mon avis. Bah là, tu peux l'avoir. Avec le sniper, tu peux l'avoir depuis le stade. Bah là, c'est pas forcément une opération viable au sniper. Peut-être que juste la mitraillette en 7,62 suffira. On va pas être à 2 km non plus. Hein. Ça fait une couverture supplémentaire. Hein. Là, j'ai regardé la. Ouais. Bah, l'avantage, ouais, c'est. Donne-moi la distance. Alors, attends, je te donne la distance. Juste à 500 mètres. C'est 500 mètres, ouais, donc ça se fait. Une DMS. Sûr, là, 762, quoi. Une DMS suffit largement. Ce qui est un petit peu bête pour eux, c'est que je les vois sur les cartes en fait. Ça, c'est parce que tu les as dans le. Il y en a un de ton groupe qui les a dans le viseur. C'est moi qui les ai dans le viseur, mais je les vois aussi sur la carte en fait. Ouais, c'est pour ça. Bon, en tout cas, désolé les lumières, là, pour la première partie de l'event, était un peu écourtée par le manque d'informations. C'est un peu dommage. Oh, c'est quand même bien marrant. On s'est bien marrant, s'il te plaît. J'ai envie de te dire, les mecs, ils t'ont fait un full carton. Par 2 minutes, hein, je recule un peu parce que. Par contre, il y a un truc qui a fort m'expliquer, c'était quoi le rapport entre le fait qu'ils viennent avec nous tirer deux balles et le fait qu'il ait besoin d'une compensation, le petit jeune? C'est un juif, pardon. Non, peut-être que compris, en fait. Le mec demandait une compensation, sinon il aurait passé la soirée à farmer, peut-être. Je sais pas, ça m'a un peu choqué sur le coup parce que c'est pas comme les lumières qui sont des mercenaires qu'on paye. Bah, voilà, c'est que. Qui veut capturer le président. Quoi. Oh, c'est pas grave, c'est moi qui lui ai donné de ma poche. Et tout. Qui a donné combien? 100 000. Ouais, les lumières à l'arrière qu'on les paye derrière, c'est pas un souci vu que les mecs c'est des mercenaires. C'est le but. Mais attends, là, oui, c'est vrai que lui ça m'a ah un oui. peu choqué quoi. Deux petites minutes, hein. Moi je vais m'acheter des kits de repas et tout ça. Parce que plus rien. Ouais. Moi j'ai un kit de repas et trois kits de soins aussi. Hop. D'accord. Qui veut là. Bah, il considère que c'est. D'ailleurs, Marco, si t'as pas pensé à prendre de la bouffe à boire, c'est le moment. Bah, il me reste deux bouffes, deux flottes. Deux Red Bull. En même temps, sur le serveur, il y a quoi? Il y a une personne qui n'est pas sur l'event. C'est ça. C'est un Visconti. Le beau mec, il doit voir des messages depuis tout à l'heure. Ah, il y a un Visconti aussi qui est pas sur l'event. Il y a quatre Visconti sur le TSA. Ouais, mais ils sont pas forcément sur le jeu. Sur le jeu, sachant. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
Ouais, sachant que tu gueuleras. Les mecs savent très bien que tu gueuleras, il va prendre cher. Il est sur TS avec eux. Ah, mais le mec, je pense savoir ce qui va lui arriver, c'est ban définitif. Mais c'est ce qu'il a demandé Marshall, c'est il va se faire ban. À mon avis, il faut pas le faire devant tout le monde, les amis. Là, il va attendre tout simplement que personne soit connecté, il a dû le prévenir sur TS, il va le ban via la console quand il sera déconnecté. Comme non, ça, non, à mon avis, il lui a rien dit. Non, ce que doit pas faire John Baker devant tout le monde, c'est faire la discuter comme ça ouvertement et faire la liste de tout ce qui lui est reproché. Okay. Sinon après un ban devant tout le monde, c'est pas, c'est, ça va pas le gêner, ça va servir d'exemple. Bon, on se rejoint où pour le coup? Je pense que on pourrait. Alors attends, je regarde un peu la zone. Je suis derrière la maison. On peut se mettre, se rejoindre au niveau de la pompe à essence par exemple, avec l'ATM là. Ouais, je pense qu'ils verront de là. Sachant que moi là, je suis en Emingburn, je vais arriver derrière les lumières en fait. Ouais, bah allez, au pire, on verra. Si je trouve que c'est trop près de la baraque. Oui, on s'arrêtera avant, au pire des cas. Sachant qu'il faut, il serait judicieux peut-être de faire une approche à pied dans les buissons et compagnie, là, pour pouvoir sniper aux fenêtres. Discrète, ouais. Moi, je suis deux. Ce qu'on pourrait presque faire, c'est une équipe qui mitraille, je dirais, un peu sauvagement à la maison, comme ça. T'es équipé pour une. Merde, oui, mais on n'est pas prêt là. Oh, tu leur dis 2 minutes. Ah, c'est bon, il est à peine la nuit, c'est bon. Bah, ça se trouve, l'action elle est déjà commencée. Hein. Bah, oui. Ils peuvent pas savoir. Bah, c'est vrai. Je vais peut-être m'avancer plus sur le mur qui est devant le Louis. Ouais. Moi, j'avance un peu, puis c'est de nous quoi par derrière. Moi, je suis dégoûté, j'ai perdu toutes mes flashs que je leur ai volées. Ah, c'est con ça. Ouais, je l'entends d'ici, il peut faire par contre. Ouais, mais je suis en train de me poser derrière, vous en fait. Je suis en haut de la montagne derrière le stade. Ok. Ce qui est con, c'est que là il y a du brouillard, on voit plus la maison depuis le stade. Ouais, mais à la lunette, je vais voir si je peux pas l'avoir parce que je la vois là en zoom. Sinon, j'ai de la Red Bull pour courir et me rapprocher. Hein. Donc toi là, je progresse à Pinto. Ouais. Je vais vous rejoindre, les gars. Ouh la vache! Par contre, attendez qu'on soit tous, que tout le monde soit sur zoom pour lancer l'action. Ouais, non, mais nous on se rapproche un peu. Mais... de pas être à 500 mètres, quoi. Hop, elle est où la maison? Elle est là, hop, comme ça je me mets le marqueur de distance sur la baraque, ça me permettra de régler ma mise à zéro. Ah, c'est vrai, on peut faire ça, putain. Ah bah, c'est pour ça que j'ai choisi un bon viseur. Non, surtout que j'ai l'habitude de jouer sans les... Sans enfin, les... Quand je joue, genre, joue en mode expert ou vétéran, et ce qui fait que tu peux pas... T'as pas la de marqueur de distance. Alors, comme avant, je me battais pas sur Altis Life. Donc, moi et Louis, on mitraille l'avant du truc. Comme des gros bourrins. Ou on fait quoi? Alors, j'ai la maison. Par contre, ouais, faut que je me rapproche. Tout le monde sera positionné, on pourra plus définir une stratégie quand on aura visu. Par contre, moi, faut vraiment que je me rapproche. Il y a vraiment trop de brouillard. Ils ont une chatte pas possible. Ah ouais, c'est monstrueux. Avant que t'arrives, je voyais les mecs. Je les voyais sur les fenêtres et tout. Et... Moi j'ai décollé, il n'y avait pas un pet de brouillard, c'est arrivé sur zone que j'ai eu du brouillard. Reprends la route par contre, Arca, je pense que ça sera plus simple. T'as l'autoroute juste à côté, sur ta droite. Oui. Je prenais l'autre chemin, si on voyait une voiture de flic. Oui. C'est combien de Red Bull? L'autre droite. Moi, voilà, celle-là. T'as la route qui est juste au-dessus. Tu viens en filin, s'il te plaît? Là, tout droit. Attends, j'arrive. Ouais. Encore tourne à droite. Ce truc de fou. Putain, mais je vois toujours l'Ifrit là-bas. Voilà. Tu vois pas la route au-dessus? Ah, voilà, c'est bon. Par contre, faut pas que je m'approche de trop, moi, parce que, avec les commandements que donne mon personnage, ils vont l'entendre. Si tu veux stopper les commandements, faut faire petit 2 et halt. Petit 2 et halt. Halt. Ouais, et bah, les mecs, comme ils seront en position d'arrêt, bah. Ah oui! Il arrête de donner ses commandements. C'est ça. Putain, c'est génial, merci. Oh, c'est une info. J'ai entendu des tirs, non? Ouais. J'ai l'impression d'avoir entendu une balle, ouais. Ouais, moi aussi. File-moi le Red Bull, s'il te plaît. Ouais. Oups. Par contre, les mecs, arrêtez d'avancer. Attendez que tout le monde soit sur zone. Planqué. Ah, c'est encore 5 km, non?
Ouais, mais au moins comme ça, il y a l'event qui est. Bah là, on va rester tranquillement en position, ils nous tirent dessus, mais ils peuvent pas nous avoir. Ouais, qui perdent leur balle. Par contre, on va peut-être se positionner par l'arrière, non? Moi, je suis à l'arrière. Je sais pas ce qu'ils ont fait péter, mais ils l'ont fait péter. Bah, ils ont fait l'ifrit. L'ifrit. Je sais pas comment ils ont fait. Hein. Hé, hey, mon ifrit! Attends, sérieux, celui de. J'ai non, garé derrière? Ah. Oui, ils ont réussi à faire péter l'ifrit derrière le stade, je sais pas comment. Derrière un mur en béton de genre. 1 mètre d'épaisseur. What? Ou alors, peut-être que les balles qu'on entendait, parce qu'on entendait bien taper contre du métal. Viennent de derrière. Alors, soit ça, soit. On se regarde derrière. Hein. Soit il est. Louis et moi, on est des synchros. Attendez, je vais bouger moi. Par contre, faites gaffe, a priori, il y aurait du monde dans les grandes tours. Yep. Ouais, j'en vois un dans la grande tour. Ouais. Je me demande s'il joue pas. Il me vise dessus. Oh, excuse. Pinto, où ça? Je sais pas, mais... Peut-être celle de gauche, mais je suis pas sûr du tout. Qu'est-ce que t'as dit, Pinto? Non, non, celle de droite par rapport à votre position, la tour. Je l'ai en visu. Non, des fumigènes, le PD. Vous voulez qu'on tire un petit peu pour les affoler? Tu veux que je le descende? Tu veux que je descende? Ouais, ouais, descends-le sur la tour. Hein. Ouais, mais attends... Si c'est bon de commencer l'event avant qu'il y ait la moitié de l'équipe sur place, quoi. Bah, c'est le problème, c'est qu'ils nous ont... Ils ont commencé à nous attaquer, déjà. Bah, vous êtes trop près, alors. Ouais, ça stun, en fait, on a pas trop bougé, mais... Les mecs, à 500 mètres, ils cherchent à t'allumer, hein. Et surtout, ah, c'est trop près, c'est fait avoir. Oui, je vois pas comment ils ont réussi à tuer. Il est derrière du béton, en fait, c'est... Oui, c'est ça qui rend, what the fuck. Alors, pour l'instant, je le vois plus dans la tour. Mais il est con de voir détruire l'ifrit, là. Ou c'est votre ifrit en désynchro qui a pété. C'est possible, ouais, aussi, mais ça. On a entendu des tirs. Ou... Enfin, en tout cas, bruit métal. Je suis à peu près sûr qu'on s'est fait tirer dessus. Ah oui, ça, oui. Moi aussi, il me tire dessus. Tire dessus, dès que je l'ai dans le viseur, je l'abats. Allez, ramène. Côté arrière. Vous êtes à combien de kilomètres de la zone, les mecs? Attends, moi je le cherche avec avec le brouillard, j'ai du mal à le voir en fait. Par contre, c'est quelqu'un qui arrive par derrière le stade qui nous prévienne exactement où est-ce qu'il est. Histoire qu'on le refroidisse pas en pensant que c'est un flic qui fait le tour, quoi. Bah, les tenues sont. C'est Kaiser que t'as au-dessus de toi, si je me plante pas, ma poule. Ouais, mais avec le brouillard, on sait jamais. Moi je tire avant, je pose la question après. Ouh, là, c'était un tir, ça. C'est moi. Ok. J'ai calmé Kaiser. La balle a tapé juste devant Kaiser. C'est bien ce que je pensais, t'es là, mon salaud. On va s'arrêter là, hein, parce que je vois les tours d'ici, moi. Ok, sinon j'avais tenu. J'étais à une même point sur la carte. C'est quoi ce défaut de viseur qui se décale? Allez, mon petit Kaiser. Non, non, mais t'inquiète, je vais descendre. Non, mais je vais bloquer le véhicule. D'accord. Là, par contre, tu nous as laissé à découvert. Attends. Ah non, ça va. Par contre, avec le brouillard, je le vois quasiment pas, le salopard. Ça veut dire qu'il nous voit quasiment pas non plus, c'est la bonne nouvelle. Ah, si pour faire, il se planque dans l'ombre de la tour, pour m'éviter. Mais moi je pense que quand on lancera l'assaut, je vais me lever et tirer sur le minaret droit comme un bourrin. Bah, nous les trois lumières, on peut tirer un peu sur le minaret histoire de le. Ou même sur la maison en général, histoire qu'il vise plutôt notre position et que vous puissiez aller arriver d'un autre côté, quoi. Ouais. Et au pire, Louis, t'avons jusqu'au conteneur rouge. Attends, hein. T'es où mon salaud? Oh putain, il y avait le minaret. Ton conteneur rouge, Marco. Moi je suis sur la partie. Ouais. Je peux y aller au conteneur rouge, tu veux, Pinto. Ouais, Yaf, il est repassé derrière la tour, José. Si toi tu peux lui coller une bastos. Moi je suis devant maintenant. T'es devant, il est repassé derrière. Attends, je retourne derrière. Tu parles bien de la tour de droite. Ouais, ouais. Quand t'es face à la maison. Essaye d'avancer doucement, toi. Moi j'ai avancé en longeant les buissons qui sont complètement à l'arrière de la bâtisse. Je suis à 700 mètres. Putain, il prend c'est le rebord à chaque fois qu'il tape. Il est accroupi, j'arrive pas à me le faire. Moi, je vais arriver devant la porte là. Enfin,
plus devant le mur. Moi j'ai un bâtiment abandonné juste en face là. Moi je peux me pencher. Donc c'est le, mirade... c'est le minaret sud-ouest ou nord-est? Allez hop, il est, il est tombé. GG. Bon, donc plus que 4 flics. C'est ça. Je pense qu'ils donc mirador de droite pour l'instant dégagé. Ok. Donc moi je vais avancer. Attends, on va attendre que ils disent qu'ils sont en place et ensuite on va peut-être faire ça. Voilà. Bah pour l'instant c'était. On va laisser l'assaut attirer les attentions, nous on va arriver complètement de l'autre côté par rapport à vous. Par contre, malheureusement, ça va vous permettre aussi de vous repérer un petit peu mieux. Alors le seul truc c'est qu'on a. Ouais, ouais. Au bout du devant. Moi je suis juste au pied du. Par contre, les gars, on va économiser les balles parce qu'on sait pas combien de temps ça a duré. Ouais. Par contre, moi de là où je suis, les gars, l'intérieur de la maison, je peux pas la, la voir. Hein. Ok. Moi je l'ai, je suis collé à la maison. Là. Ouais, non, mais pour donner un soutien au sniper, c'est ce que j'ai. En sniper, c'est ce que je veux dire. Là, t'as trois batteuses pour accompagner le snipe, c'est magnifique. Ouais, c'est ça. Faut que je puisse me rapprocher pour avoir une meilleure vision. Bah, tu veux qu'on tire pendant que tu te rapproches? Ouais, attends, je vais sortir en douce par l'arrière de la baraque déjà. Je suis dopé à la Red Bull, donc c'est ce qui m'a permis de stabiliser plus longtemps pour le shooter. Donc on se met à couvert, moi, dès que tu nous donnes du bruit, on fait du bruit. Alors, Vas-y, attends, je suis en train de me déplacer là. Le problème, c'est qu'il a foutu des arbres comme un gros enculé sur cette baraque. Tu vois pas, en fait. Ouais. Ah ouais, mais tu vois pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Putain, des brouillards de merde. Ouais. Hop, je suis couché derrière un petit muret à même pas 300 mètres de la baraque. Remise à zéro. Okay. Donc, remise ce qu'on peut faire, si vous voulez, c'est. On tire à l'avant. Dès que tu tires, genre on tire. Attends. Ça brouille les positions, quoi. Attends. J'ai mon marqueur qui m'a marqué le nom d'un petit poulet. J'avais un truc infirmier là, la traînée. Ouais! J'en avais un aussi comme ça qui m'affichait petit poulet. Ouais, je crois que j'en ai un sur la droite de la baraque. Je pense que je vais devoir là-bas, mais je suis pas sûr. Donc j'ai tiré par là-bas, moi. Je sais pas s'il y a des gens sur côté. Moi. Ouais, bon. Je suis côté droit de la baraque. Je vais bientôt faire une rentrée dedans. Ok. Vous voulez qu'on tire? Ouais, on fait du bruit. Fait du bruit? Ouais, porte d'entrée. Mais couche-toi, personne merde. Mais tu nous as laissé loin, Arca. Ah, mais en fait, vous êtes sur ma droite, les mecs. Ok, je suis à la porte d'entrée. Ok, il y a un flic dans les morses à l'entrée. Ouais, je le vois apparaître de temps en temps, j'arrive pas à le cibler. Ok, moi j'entre. La smatte, deuxième étage. Moi je vais essayer de me rapprocher en me foutant derrière la baraque. Enfin, dans l'arrière au gros hangar. Putain, je suis bloqué à cause d'une porte. Faut que je me rapproche aussi. Il y a trop de cache, je fais du bruit pendant que vous vous déplacez. Ouais. Je devrais passer devant toi, Louis, en fait. Quelqu'un peut m'assurer le deuxième étage? Attends, je vais boire une autre boule. Au centre. Bah, c'est le problème, c'est qu'avec les armes, on n'a pas forcément un visu dessus correctement. Pinto, tu te déplaces? Ouais, attends, j'ai une grosse colline devant moi, je vais passer par là-bas. Il y a un véhicule. Je me mets en mouvement. Ouais, moi je suis pas en position. Bon, ouais, mais il y a déjà François qui tire. On peut avoir un peu plus de monde à l'intérieur du bâtiment, les gars. Okay. Les mecs à distance, allez-y. Ouais, je m'en rappelle. Moi je suis en train de rouler pour essayer de les trouver. Si je peux réussir à coller des têtes. Putain. C'est toi qui as tiré? Non. Je crois qu'il me tirait sur moi, mais je suis pas sûr. Je crois qu'il me tire dessus. Et j'arrive pas à voir où ils sont, si c'est le problème. Je suis mort. John Baker est au sniper, les gars. Hein. Ouais. Faut faire attention. J'ai trop avancé. Par contre, j'ai pas vu le départ de ses balles. Moi non plus. J'ai pas l'impression de venir un peu de la gauche. Gauche. Ouais. S'il est à gauche, il doit être derrière nous.
Qui nous reste Baker et qui là? Il en reste 3. Oh putain, y'a un mec qui court là. Dans la pampa, faites gaffe, c'est pas moi les mecs. Hein. Faites gaffe, oui, c'est toi. Oh les gars, mais sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont en fait, quand tu montes, deuxième étage, ils sont campés tout à droite allongés. Il y a des flics allongés avec la batteuse. On ne sait pas, on n'a rien entendu. Ouais, non, mais c'est du camping. Bah, faut jouer à la télégène, faut jouer avec des trucs comme ça, les gars. C'est nous qui attaquons, c'est Herman qui campe. User joined your channel. Ceux qui sont morts, c'était ça, les gars. N'oubliez pas. Ouais. Merci. Ouais, t'inquiète. User left your channel. Oh, je me move du coup. User ouais. Left your channel. Donc c'est Pinto qui doit être mort de l'autre côté de la baraque. Oh, toi, t'es à droite du. Le premier que j'ai buté, c'est Kaiser. Je vais mettre mon point sur la carte, Louis. Non, c'est. Bah... Ouais, bah c'est bon, oups. C'est bon, il est plus. Son marqueur vient de disparaître. Donc c'est bon, je vois où est-ce que t'es. Je suis plus qu'à 256 mètres de la baraque. C'est sur ma gauche. Ouais, je suis à 104 mètres, donc au sniper, je peux te raconter. Je peux te raconter le délire si je les vois. Sniper, est-ce que t'as une vue sur ce qui est à, à l'est, pardon. Il y a tellement d'arbres. Il y a tellement d'arbres que. Je... La plaine. Ouais, il y a une espèce de plaine à l'est de la baraque. Dis plutôt à gauche ou à droite par rapport à notre position. Passe à la barre. À gauche, non, j'ai pas de visu là-dessus. Ok. Bon, bah j'essaie de couvrir. Je me move un peu parce que j'ai une position de merde en fait. Enfin, je suis bien à couvert, mais je peux rien faire en fait. Un peu, si je suis dans un buisson, c'est vachement mieux. Donc on est encore combien en vie? Chez nous on est 3. Vous, vous êtes 2, on est 5. Ok. C'est bien, c'est que moi je vois le corps de Kaiser, tu sais, à moitié suspendu sur la balustrade. Je suis collé au mur. Par contre, s'ils sont. Pour l'instant, au rez-de-chaussée, moi je vois rien. Hein. Par contre, s'ils sont à l'étage, j'ai quasiment aucun visu sur leur position. Moi j'essaie de me rapprocher discrètement en rampant là. C'est une baraque de merde à prendre d'assaut. Je te raconte pas le délire. Ouais, je me souviens, sur Zargabat, c'était super chiant ça à prendre cette maison. Et encore, il n'y a pas tous les arbres. On est le brouillard. Par contre, les gars, faites gaffe, il y a John Baker, qui avoine au sniper, donc il doit être sur un toit ou un truc comme ça. J'ai l'impression qu'il est derrière nous, mais après, c'est peut-être que ça résonne. Ou je sais pas si le moteur du jeu il gère ça. Oui, l'arme qu'il utilise fait énormément de bruit. Ah oui, je vois effectivement le cadavre. Ouais, essaye de me localiser plutôt John Baker si tu le vois sur les hauteurs. Regarde sur la carte, Abelardo. Qu'est-ce qu'il y a, tu l'as? Regarde sur la carte, j'ai mis le marqueur, je crois que c'est par là. J'ai pas la distance exacte, mais a priori, ça serait, il y aurait un flic par là. Ah bon? Il m'aurait vu passer sans me tirer dessus? Ah, je sais pas. C'est ma carte affichait ça il y a quelques secondes. Marqueur de là-bas. Et t'imagines, je suis à 130 mètres, je vois, pas, je vois même pas la maison, quoi. Vous voulez que j'essaie d'attirer les regards en tirant? Attends. Là, je peux pas t'assurer, faut que mon personnage y reprenne son souffle. Plus de Red Ghoul. Ouais, puis elle va être bien gardée, je pense. Où
Il y a longtemps, Bob, que ça t'a marqué ça? Il y a à peu près 3 minutes. Ouais, 3 minutes, il a pu se décaler énormément. C'est clair. Mais si c'est John, il bouge en permanence, il est comme moi. C'est pour ça qu'on aime bien s'affronter aussi au snipe régulièrement. Oh, je crois que j'ai un bon spot. Il faudrait trouver une faille dans la baraque pour pouvoir tirer les mecs qui sont à l'intérieur. C'est si les mecs sont positionnés tous à l'étage, on l'a dans le fion. Et on fait une opération coup de marteau. Hein. C'est-à-dire on bourre dans le tas. Ça... En dehors de Baker, tout le monde est à l'intérieur apparemment. Baker, il en reste plus que deux, plus que trois de toute façon. Deux à l'intérieur sûrement. Et Baker, je le cherche. Louis, tu peux regarder, genre, s'il n'y a pas un Baker sauvage derrière nous. C'est ce que je suis en train de scanner aussi. Parce que j'avoue que ça me fait un peu peur, en fait. Autant des tirs qui viennent de la maison, ça me fait pas trop peur, mais... Sachant que je suis accroupi devant la maison depuis tout à l'heure, j'ai pas eu un seul tir. Par contre, si Monsieur Baker est à... Il n'y a pas 36 options, hein. Faut qu'il y en ait un qui commence à rentrer et qui sécurise l'entrée. Bon bah, je bourre. Je me tape attends. Doucement. Tu rentres doucement et tu sécurises l'entrée. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais quelques pas, tu contrôles les premières pièces et tu nous donnes la consigne si on peut rentrer ou pas. Je suis assez bon pour l'instant. Je vais justement essayer de voir si quelque chose derrière nous, ça va me tirer dessus. Je vais essayer de. Bah, je te rejoins et bah, on va peut-être y aller à deux. Regardez, je suis derrière toi. Je suis loin derrière toi. Ouais, non, mais je me rapproche. Moi, j'y vais en rampant. Mais j'essaie de me creuser la tête pour me souvenir comment elle était en entier sur Arma 2 cette maison. Voilà. Quelle maison de merde. Oui. Au pire, hein, sinon on les fait mourir de faim et de soif. Hein. Non, c'est son véhicule qui a envoyé en fourrière. Regarde, John Baker, votre. Bah, et Kaiser, je l'ai buté d'entrée de jeu. Kaiser il balançait des fumigènes sur José. Okay, ouais. Et derrière il a appris à faire I believe I can fly. Bon, est-ce que vous pensez que la zone du portail ou moins d'accès est accessible? Je pourrais pas te dire, j'ai aucun visu sur ce qui se passe à l'intérieur. Je suis en train de me rapprocher, je suis plus qu'à 149 mètres de l'entrée là. Cette baraque est une véritable purge. Oui. À mon avis, Baker il s'est peut-être mis en position justement pour allumer de façon à empêcher les gens de rentrer. Ouais. Après, tout à l'heure, il a tué Pinto, mais si tu dis qu'il a l'habitude de bouger. Ouais, mais il est comme moi, c'est un sniper mobile. On reste jamais trop. On bute jamais. C'est un sniper, quoi, en fait. C'est ça, il joue comme moi, c'est pour ça que les affrontements avec John, généralement, entre lui et moi, ça peut durer des. La dernière fois, on l'a fait, ça a duré une demi-heure. Hein. On tire une balance décale. Dans les lumières, une fois que vous serez en position pour rentrer, vous m'annoncez, je suis vraiment pas très loin, je vais prendre une Red Bull et je vais vous rejoindre direct. Il ne sera pas snipé 3 personnes simultanément. Bah il pourrait pas loin, regarde ce qu'il y a sur ta gauche. Il y a quoi sur ma gauche? Bah regarde qui vient de passer à côté de toi. Toi? Voilà. Ah putain, tu m'as fait peur, je faisais des flics. Donc s'il te shoot pas là, c'est qu'il est déjà pas... Les gars, j'ai John Baker en joue. Il est où? À l'intérieur? Le stade, là. Ouais. Eh ben, il est juste à côté d'une bicoque, en fait. Petite bicoque en je sais pas trop te dire. C'est en tôle, je crois, c'est ça? Ouais. Eh ben, c'est ça. C'est le côté droit du stade, en fait. Il est bloqué dans... Oh putain, on était à côté, quoi. Soccer, voilà, tu passes à table. Je vais essayer de me mettre en position pour l'avoir. Je me décale, normalement j'ai une bonne vue. La bicoque elle est à combien? Elle est juste à côté du stade ou... Ouais, vraiment. Ok, je vois laquelle est... En plus, bah là ce qui est bien c'est que les balles se traversent, donc si on sait dans laquelle il est, on... Mais non, il était dans les fourrés. Ah. Je pense qu'il va passer par derrière le stade.
Ok, bah alors nous on va peut-être attendre et il faut peut-être se le faire avant de continuer. Ah oui, c'est leur ouais, sortie, ouais, je suis en train d'essayer de le traquer en avançant accroupi. Mon petit John, si t'es dans les parages. Par contre, moi je vais descendre parce que je suis tellement visible que je risque de me faire allumer. Est-ce que t'as vu au moins dans quelle direction il allait? Non, 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 j'ai Putain. Vu son pseudo en fait. Ah ouais, non, mais c'est pas comme si tu voyais le bonhomme. Ça, tu... ça donne la position, c'est. Ça veut pas dire après. Ouais, moi je vais me doper l'arrêt de bus, je vais essayer de remonter dans sa direction. Les lumières, c'est bon, vous êtes en position pour rentrer? Non, moi j'ai fait demi-tour pour essayer de choper Baker, mais. Tu veux qu'on bourre finalement, Marco? On va laisser Sokar s'occuper de Baker. Ok, okay. Alors Louis, j'ai juste avoir besoin que tu me donnes du Red Ghoul, parce que là je vais pas pouvoir. Ok, j'arrive vers toi. Arcane est toujours en vie? Il arque plus rien. Donc il nous reste qui exactement dans le truc? Tous ceux qui sont sur TS sont pas morts, hein? Ouais, entre nous, ouais. Okay. Là, vous pouvez, non, là, là, vous pouvez être, là, vous pouvez être 4 à rentrer à l'intérieur de la baraque. Sauf si y a. Vas-y, tchou les gens. Tchou, ma poule. Bonne soirée. User disconnected from your channel. Je vais venir jusqu'à toi parce que. Il a une vue de ton côté plus que du mien. Ici, est-ce qu'il n'y a pas se foutre dans la colline pour vous allumer cet enfoiré? Mais c'est peut-être c'est ce que j'ai dit, essayer de contourner mais par la colline. Je suis sur la droite de la colline en fait. Et je suis en train d'essayer de la, je la snipe au fur et à mesure que j'avance. Au niveau de la carte, je suis à peu près au niveau du C de Casablanca, hein, les gars. Donc, ok. Faites gaffe. Ah, au-dessus du A, pardon. Attends, tu l'as ou pas? Je pense qu'il est derrière le conteneur rouge. Toi, la bicoque en fer. Oui, là. Je vois le conteneur rouge. Eh ben, je pense qu'il est derrière au niveau du. Mets-moi un point sur la minimap. Ouais. Je vois bien en plus sur la carte le conteneur rouge. T'en as un deuxième à traîner ou pas, Louis? Mais attends. Ah merde, attends 2 minutes, je suis pas en coup. Il y a le véhicule qui a un gros point. Alors, oh, c'est... Allez pour les gars là. Voilà, je t'ai mis la position okay. Plus ou moins où il devrait être. On y va en accroupi. Allez les batteuses là, allez-y. Un gros sprint et vous regardez bien où vous allez. S'il est là, je suis à moins de 100 mètres, à moins de 200 mètres de lui. On va se coller au mur dans un premier temps, Louis. Faut faire fi ça. Si il est au snipe derrière, faut que vous pénétriez de façon à vous abriter. Et ensuite, vous verrez à l'intérieur ce qui se passe. Ok, je l'ai. En fait, il est pas bloqué derrière le conteneur, mais derrière le muret. Derrière le muret. En position. Derrière le muret. Il y a un muret cassé. Attends, couvre-moi 2 secondes, je vais mettre mes 200 balles dans le chargeur, on sait jamais. On est prêt. Allez, let's go, les mecs. Allez, on rentre. T'es sûr que tu le confonds pas avec moi par hasard? Non. Je l'ai mis. Oh, merci. Ils sont à gauche, bruit sur la gauche. Faites gaffe au président. Laisse-moi. Tu me rejoins, on va inspecter le rez-de-chaussée sur la gauche. Ça marche, sur la droite ça a l'air d'être clean. J'ai entendu Foreman depuis tout à l'heure. 3, fall back.
C'est cette pièce là que tu veux vérifier, c'est ça? Il est pas à l'endroit où tu m'as marqué, hein. T'as été juste dessus. C'est soit dans l'arrière-cour, soit au-dessus. Non, il a du au-dessus, bout, je le vois plus. Check derrière, quand même. Mais fais gaffe, il doit être dans la zone, ça c'est sûr. Ouais, pour l'instant, tu peux être fier comme aux autres. Ouais, bah moi je vais faire, je vais tenter une incursion. On pourrait monter l'escalier, mais c'est super risqué. Il n'y a pas un escalier extérieur sur celle-là? Viens, on va vérifier la droite du bas d'abord. Attends, on fait par en bas. Je suis derrière le bâtiment. Parle moins fort, Arca. Essaye d'éviter de flouder le channel. Waouh, j'ai une des 5. Qui arrive, hein. Attention, hein, je suis à l'extérieur dans l'enceinte, moi. Ils sont à l'étage, c'est presque sûr. On a fouillé tout le rez-de-chaussée, il n'y a personne. Étage flanc gauche, du coup, ça serait étage ouest, ouais. Donc, alors là, on peut tenter soit. Je pense pas que le 60, je monte. Et... C'est moi face à toi. Ils sont en haut. Juste. Où ça? Trop tard, il est mort. Je suis mort. Merde. Arca, laisse tomber l'extérieur, on rentre. Ah ouais, je sais bien. T'en es où avec John Warner? Je le cherche encore. Et s'il se déplace en permanence comme je fais, on peut tourner longtemps. On peut tourner longtemps, surtout sur. Surtout sur le circuit dans le même sens de. Vous voulez que je tente de monter? Attends. T'as pas de la grenade flash ou fumi? Non, j'ai que dalle. Oh putain. Oh merde! C'est pas loin tout ça. Il est revenu sur votre position, le John Baker. Hein. Je sais pas où il est, mais il vous a fumé. Il m'a fumé. Il tire encore. Tire dans le mur, l'enculé, pour me battre. Les coups sont pas regarde si loin. Regarde la porte, vise la porte. De oui, la porte je vise la porte, ouais. Je l'attends. Les balles sont pas si loin de moi. Il est dans l'escalier, assis. Non, ça c'est moi, ça. Tu me tires dessus. Mais c'est pas moi qui t'ai tiré dessus. Non, attends. C'est toi qui est assis dans l'escalier. Si, mais c'est pas moi qui t'ai tiré dessus. Non, attends, je pourrais avoir... Ouais, j'ai juste la porte, parce que ça venait de là-bas. L'entrée à l'intérieur, le mec assis dans l'escalier, c'est toi, tu confirmes? Oui, là je remue. Ok. Je rentre. Vas-y. Alors, de ce que j'ai compris, ils sont. En fait, quand tu montes l'escalier, ils sont à droite. Là, de suite à l'escalier à droite. En fait, il se fait tuer en montant. Donc. J'ai pas l'impression que ça venait de la gauche, donc je pense qu'en fait quand tu te dévoiles ils doivent être allongés et ils doivent pouvoir t'asmater direct quand tu dépasses une certaine hauteur. Et comme ça en plus ils sont protégés par l'escalier, donc ils doivent être probablement à droite. Donc au pire si t'as une grenade... En fait je pense... tu vois la porte à côté de laquelle tu es? Ouais. Bah ils sont à l'exact opposé en fait. Ils sont au-dessus de l'autre porte, quoi. Ouais, voilà. Je pense qu'ils sont là. Je chie un peu avec ma batteuse. Bon, c'était du 762, si ça passait un peu à travers les murs, on avait une chance. Il y a que un escalier d'accès? Je crois, malheureusement, ouais. Peut-être les minarets, si on monte sur un minaret. On peut peut-être les shooter par le toit après, parce qu'il y a des verrières. Arca, il est décédé, je crois. Ouais, Arca est décédé. On est plus que deux. Sauter, t'as des grenades fumées ou pas? Que dalle, moi je suis au snipe, mec, hein.
J'ai déjà plus de Red Bull. Je sais où était cet enculé. En fait, moi je les vois sur la carte en fait les deux gars. Nous aussi on les voit. Ah ouais. Fais gaffe. Je les ai pas vus déjà. Ah, t'as entendu? J'en vois. Ah, il m'a loupé ce con. Vas-y, sauce. Bon, un de moins déjà. Joli. Ils sont pas très attentifs, hein, putain. Par contre, faites gaffe, il y a toujours. Ah, voilà, ouais. Becky Beku là qui se promène. Est-ce que tu peux monter là? Je sais pas, il y en a peut-être un deuxième. Je vais essayer. Fidia, je pense que John doit se rapprocher de votre position, les gars. Bah, t'as juste à viser la porte, il y a qu'un accès de toute façon. Ouais. Après, il y en a peut-être un qui s'est caché comme un salaud. Ah oui! Joli. Joli. Maintenant, le... Il y a plus que le président. Avance pas comme un fou, on va essayer de prendre position et faire gaffe à Baker. Passe pas trop devant la fenêtre. C'est simple, non mais c'est simple, tu dis au président de contacter son gars, son sniper qui est à l'extérieur et qui doit se rendre immédiatement. Il faut trouver le président déjà. Il était pas dans la pièce avec vous? Non. Bah on peut parler genre in-game. Les deux pièces sont clean. Oui, allez vérifier dans les tours, ils l'ont peut-être mis dans une des tours. Possible. Je revérifie les pièces, on sait jamais. Ou les fenêtres en tout cas. Yes. Ils l'ont peut-être mis dans l'autre partie aussi. Je vais checker l'autre partie. Après, peut-être qu'ils l'ont emmené avec Baker, mais ça m'étonnerait quand même. Baker se déplace en permanence. Il est peut-être sur le toit. Je vais check le toit si vous voulez. Mais par contre, je vais rester allongé parce que. Tu te cacherais où, mon petit John? Sur le toit, je suis en train de check, mais j'ai pas l'impression. Tire pas. Okay. Je suis derrière en fait, là où tu sors du toit. Okay. Et vas-y en rampant parce que si jamais il est allongé, les cœurs, il va nous trouver la peau. Ouais, je le cherche moi, le petit bestia. Il doit être dans le palais, le tartine. Il y a pas de sous-sol, je crois en plus. J'espère pas. Je vais faire descendre complètement, essayer de trouver quelque chose plus bas. Ouais, je suis en train de descendre aussi. J'ai fermé la porte coulissante aussi, histoire que voilà. Par contre, méfiez-vous que Baker soit pas à nouveau rentré dans la maison. Ouais. Là, je suis en train de ramper à l'extérieur.
Ok, j'essaie d'observer périodiquement par la fenêtre sur des angles hyper réduits, mais je vois rien. Moi je suis revenu à l'entrée de la... je suis en train de revenir à l'entrée de la maison. Ah. Je crois que je l'ai vu. De Jin Jen? Ouais. Où ça? Il est en face de la maison. Je saurais pas dire exactement où, mais genre je l'ai... En fait, il était en train de se boucher en fait. Mais je crois il est... Vous voyez la maison qui est un petit peu au nord de Casablanca? Ouais. Bah il doit pas être très loin de, du... des... Enfin il est pas très loin des... Des clôtures de cette maison. Ok, donc il est pas loin de moi. Je vais essayer de rentrer dans la cour, moi il faut que je prenne position pour reprendre mon souffle. Ça, j'ai été sérieusement essoufflé. Randonnée simulator comme on dit. Hein. Ouais mais là c'est ce que je fais depuis tout à l'heure mais j'arrête pas de courir depuis tout à l'heure donc à un moment donné. Mon perso il veut plus rien savoir, hein. Il marche tant bien que mal. C'est ça, mais moi si je dois sniper, c'est un peu gênant. Je crois que je l'ai trouvé. Attends. Je pourrais pas l'avoir. J'ai entendu parler. Si t'as sa position, tu me l'indiques. Vous voyez, attends. T'es comme moi, Bob, t'as entendu parler? Ouais, et je suis dans la maison. Hein. Je suis à l'extérieur. J'ai entendu parler très loin, moi. T'es presque une... Ok, il est dans la tour, je le vois. Baker ou le président? Le président. Quel tour? Quand t'es face à la maison, gauche. Je suis en train de monter dedans. Avec Baker? A priori, non, il est tout seul, d'après le glitch. Je pense que Baker en fait surveille le Mirador et comme ça, si on monte, il se fait asmater. Je pense regarde. Aussi. Je. Là, tu attends, vois. Attends, deux secondes. Je me suis couché. Ok, on a un infirmier sur. En visu. Sur la carte, regarde. Sur la map. Ah oui. Bonjour, monsieur le président. On ne bouge pas et attendez 2 minutes. Tu es avec lui? Oui, je vous écoute. Je ferme il est juste en dessous de nous en fait. Moi je vois un infirmier se déplacer derrière. Oh putain, il y a des gueules. Ah, il m'a eu. Il est. Putain, il est où ce connard? Il est dans la cour de derrière cet abruti. Bon, je m'ouvre, bonne chance les gars. Ouais. Pas de soucis. User left your channel. Si, moi j'ai vu passer quelque chose derrière. J'ai vu un flic au radar derrière nous. Bon monsieur le... Merde. Bon monsieur le président, vous allez dire gentiment à votre homme qui reste sur place de se rendre. D'accord. Dites-lui qu'il se rende, qu'il mette bien son arme en évidence dans la cour arrière. Très bien. Commissaire John Baker, veuillez vous rendre s'il vous plaît. Eh hey, mais il est sérieux. Commissaire John Baker, vous devez vous rendre. Eh hey, mais il est sérieux le gars. Il est où? Mais il te descend alors que tu posais son arme. Je suis pas sûr qu'il entende les ordres, mais je vois même pas où il est. Monsieur John Baker a cessé le feu, c'est un ordre. Le président, c'est bon, on s'en bat les couilles. Si on fait chier. D'accord, monsieur le président. Ordre du président, veuillez exécuter l'ordre, s'il vous plaît. Dernier avertissement. Je vois. C'est bon, je me rends. Je vois même pas, je sais où il est. Ok, il se rend, monsieur.
Mais putain. D'accord, monsieur. Alors, dans ce cas-là, qu'il aille se mettre sur la route en, bien visible. Tu te mets bien visible sur la route, John. C'est à vous, ça, monsieur le président? Non, 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 non. Non, 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 non. Il n'y a plus personne sur la zone. Dans ce cas-là, on va descendre, monsieur le président. Plus que vous. Oui. Ok. Vous me dites quand je peux descendre, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur le président. Le mec, on lui dit de se rendre, il continue à te buter, il t'a buté. Je suis pas sûr qu'il ait entendu les premiers ordres en fait. Allez, monsieur le président, on va rejoindre votre homme demain sur la route. Allez. Je vous suis. Oui. Non, non, pas d'armes, rien du tout là. Attention. Toutes les armes au sol, s'il vous plaît. Alors, si l'hélicoptère vous fait partie de vos hommes, monsieur, vous le faites évacuer. Monsieur Baker, vous bougez pas, vous restez sur la route. Je viens de vous voir aller dans les forêts, monsieur Baker. Monsieur John Baker, restez sous la route, s'il vous plaît. Mettez-vous sous la route au milieu, là. Vous m'avez donné du fil à retordre, monsieur Baker. Je vous ai cherché dans la pampa. Je vous ai vu plusieurs fois. J'ai pas eu le temps de vous la mettre, celle-là. L'hélicoptère, là, qui survole, c'est qui, ça? Monsieur Baker, si c'est un de vos hommes qui est dans l'hélico, qui dégage immédiatement, ou la prochaine fois qu'il passe, je plombe. Bon, c'est Gold Rider. John, Kaiser, dis à Gold Rider d'arrêter, s'il te plaît. Qui dégage la zone. Ou alors tirez à vue. Tirez à vue. Ouais, t'as une prime si tu l'as pas. Me tente pas, John, tu sais très bien que un abruti pareil, je me le fais tranquillement. Eh, je t'ai coincé dans la pampa, mon petit John. Je sais, je t'ai vu. Ah, pourquoi tu m'as pas éliminé alors? Loin. Où avez-vous mis vos armes, monsieur Baker? Oui, monsieur Baker, par contre, tu es un de mes hommes quand votre président. Tu es un de mes hommes quand votre. Quand allez, votre... Allez, vous la voulez non, 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 non. Allez, monsieur Baker, il ne reste pas que les meilleurs parce que vous avez abattu un de mes hommes quand le président vous a dit de cesser le feu. Si, monsieur Baker. Vous êtes humain. Je l'ai vu au même moment. Reculez. Non, non, je parle pas de ce jouet là, je parle du jouet avec lequel vous avez snipé mes hommes, espèce de petite ordure. Ah, ta soeur en PMP, vous savez, ça peut faire des dégâts. D'accord, bah alors vous allez bien rester au milieu de la route et monsieur le président, vous allez venir avec moi. Oui, allez-y, salut votre président, monsieur. C'est ça. Est-ce que vous voulez la marche... Monsieur Baker, voulez-vous la marche funèbre? Parce que là, honnêtement, c'est tentant de vous la mettre, celle-là, monsieur. La petite photo souvenir. Et si j'avais un marteau, j'aurais pu l'assommer, déjà. Je sais, mais vous n'êtes pas armé, monsieur le président. Allez-y, montez dans la voiture, monsieur le président. Non, jamais. Oh l'enculé.
C'est John qui tire sur. Merde. Attention, c'est John. Les sont crevés, mais... Ouais, c'est John qui tire sur l'hélicoptère qui tourne. C'est embêtant parce que j'ai rien avec moi. Vous inquiétez pas. Restez où? Merde. Allez-y, monsieur Baker, vous avez le droit de prendre votre arme et vous m'allumez ce gentil petit hélico généreusement. Putain, hey, j'ai envie de mettre un thermo RP 2 secondes le temps de l'avoiner cet abruti. Hey Marshall, t'as pas une commande pour... Merde. Est-ce que vous m'autorisez à prendre mon arme spéciale, monsieur Abelard? Ouais. Si vous avez une arme qui peut me le détruire en quelques secondes... Alors, je vais me faire attention, faites attention à vous parce que ça va être violent, hein. Bah attendez, le temps que vous me détruisez pas la voiture, ça me va. Non, monsieur. Je me permettrai pas. Bon, attention, s'il repasse là, c'est la mort. C'est dommage. Vas-y, John, ramène tes fesses, on va se le faire. J'en ai plein le cul de cet abruti. J'arrive avec vous sur TS. D'accord, ok. Donc il suffit qu'il passe et c'est fini. C'est qui arrive sur TS? Ah, c'est mon petit Kaiser. Non, mais c'est bon, il est mort, Gold Rider. Marshall a sorti son arme avec les balles explosives. Où il est? Droit devant nous, il arrive, regarde, il passe au-dessus là. Moi. Marshall, il vient de défoncer. Attends, faut que je passe avec Marshall sur TS là. Ah, mais je te jure, tu vas voir le live. Marshall a sorti le truc à balles explosives. You were moved. Yep, ah, joli Marshall, et magnifique. Et heureusement que j'ai un gros carnet. Ah, ouais. Là, il y en a pour une fortune. Eh, mon petit. Moi qui l'ai mort quand même. Ah, oui. Les lumières qui voulaient tchatcher un peu avec tout le monde. Ouais, fais switch les attendez, lumières les aussi. Yo. Je vais retirer mon arme de malade là. Ouais. Baker, je savais que t'étais une merde. Franchement. Posez votre arme, oui. Non, en fait. User has moved to your channel. En fait, c'est ce qui s'est passé. À la base, j'étais pas du tout parti pour tirer. J'étais placé juste en rebord. Dès que tu passais, le but c'était de t'assommer. Mais il y a un gros con d'admin de merde qui a modifié les touches et maintenant. Assommer, c'est mettre les mains sur la tête. Alors je me suis retrouvé comme un connard. Kaiser, excuse-moi, je t'offrirai des doliprane pour le mal de crâne, promis. Ah ben l'argent. C'est planqué. Je vais te TP ici et tu vas ramasser tout ce qu'il y a au sol. Vas-y, tu peux me TP. Ah, excuse-moi, mais les premières balles, t'as eu de la chance, c'est que à chaque fois, elle tapait pile poil le rebord de la balustre en béton. J'ai juste une question, moi. J'ai pété un Ifrit sans vraiment le vouloir tout en début de l'event. C'est tu à Bob, je crois. Oui, les stades. Oui, c'est ça, c'est moi, merci. C'est okay. Un plaisir. Mais comment tu l'as eu d'ailleurs? Ouais, c'est ça, je pétais la voie arrière gauche. Ah, mais c'est parce que là, c'est là qu'il y a le réservoir. Ouais, voilà. T'avais quoi comme qualité? Ce qui m'a fait marrer, c'est que je l'avais passé au gang des lumières pour qu'il puisse se déplacer en blindé. Et sur le coup, ils font mon Ifrit, il est cassé. Je lui dis, mais attends, les votes, t'as pas commencé, je suis pas sur la zone. Quoi, je dis quoi, le délire? Ouais, bon, bah ça. Hop. Non, bouge pas. Ouais. J'ai donné. Donc voilà, donc. Non, mais c'est bon. Pas combien ça coûte. Bon, bah par contre, hé les mecs, vous avez eu tellement de chance avec le brouillard, c'est un truc de fou. Honnêtement, ouais, parce que sinon, t'as vu le stade où t'allais te promener, John? A l'origine, j'ai mon hélico qui est posé juste derrière, j'étais en haut de la colline, j'avais toute la baraque. On était tous là. Quand le brouillard est tombé, je vous ai maudit. Je t'ai maudit. Voilà. Je te remercie, Mourant. Hein, on finira l'event la prochaine fois parce que vu l'heure. Le Gold Rider, ouais. Ah oui, il faut se le finir. User disconnected from your channel. Allez, c'est quoi la toute fin en fait qui s'est passé? J'ai l'otage entre j'ai le président entre les mains. Ouais. Ah ouais. Là c'est la suite après.
La suite, on va planifier, on planifiera la suite dans la. Donc la, on la sûrement... suite, c'est à 1h du matin. Non, non, non. Par je contre, les gars, ce qu'on va ouais, faire, ouais. C'est que la suite, on va la faire un soir à 21h pétante. Ouais. Ou 21. Voir 20. Ouais, c'était sympa. Plutôt voir 20. Ouais, peut-être voir 21h30 peut-être, parce que je sais qu'il y a des mecs comme Kaiser qui finissent tard le boulot. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Les gars, j'ai mis Gold Rider en refusé, donc il faut juste le ban. Ouais. Je valide Bob. Je valide Bob. Ouais, je valide. Ça me va aussi. Comment est-ce qu'on fait pour bannir? Je sais pas. Comme ça. Ouais. C'est moi qui vais le faire avec la console. Ah. Ah ouais, non, non. Et pour info, j'ai les Visconti qui m'ont contacté tout à l'heure au début en préparation de l'event. Ils veulent pas. Et si on banne leur pote, ils s'en battent les couilles total. Ils okay, veulent même. Bah, eux, ils veulent. Vu les merdes qu'ils font, ils veulent même. Ils ont fait. On a essayé de discuter avec eux. Et a priori, ils ont essayé de discuter avec lui. Le mec, il veut rien savoir. Je marque nos RP, ne respectent pas les règles. Non mais c'est ça, tu fiches. Suite à plus de 15 événements répétés en moins de quelques jours, voilà, c'est quoi gelé? Ça veut dire quoi gelé? Gelé, c'est tu vas le freeze. Quand tu fais gelé, en fait, tu le freeze. Le mec, il peut plus. Le mec, il peut plus. Confit, peut même plus ah, mais c'est con, si j'avais su plus tôt, je l'aurais gelé quand il passe en hélico. Ah mais, moi j'ai halluciné, c'est quand Marshall a sorti son arme. Il est pas... Le truc, il est pas... Tu l'as vu ou pas? Tu l'as vu, Kaiser? Oui, j'étais sur la colline aussi, moi je suis en train de regarder depuis tout à l'heure en spectateur. Je pense ah ouais. Même que je donnais pas des consignes. Mais moi, à la fin, on se tourne, à mon avis, avec John, quand on était tous les deux dans la pampa, on devait se tourner autour. Ah bon, mon avis. Ouais, autour du. Steven. Steven. Attends, je crois qu'il est en train de s'occuper de son cal. Kaiser, tu peux le kick aussi. C'est ban client, tu fais ça. Il doit ban client. Mais il est plus sur TS là. Si. Moi je l'ai pas le ban client. Il est où? Il est dans accueil des nouveaux. Il est en refusé, il a accès refusé. Et alors c'est quoi que tu as dit? Tu fais clic droit dessus et dans le bas de la liste t'as ban client. Bannir du serveur. C'est ça. Ouais. J'aime bien le tag refusé. Dans ton cul. Mais j'ai envie de te dire, la rigueur, t'as même pas besoin de le bannir. Le mec, ouais, il est en. Là, il est plus sur le serveur, hein, il est banni. Hein. Ouais, mais regarde sur TS, il est en refusé. Ah, mais le mec, il peut plus rien faire, tu le laisses en refusé, tu le bannis même pas du TS. C'est tiens, regarde ce que t'as pris dans ta gueule, maintenant, assume. Sinon, la tribu des ampoules, vous arrivez des lumières, pardon. Par contre, les mecs, le mode camping dans le haut du bâtiment, moi je dis les flics, pas très ingénieux. J'ai déjà vu un Roumain camper comme ça à l'entrée du lumière, pareil. Là, t'as fait quoi? En tout cas, Antoine de Lavoisier. Okay. Yes. C'est quoi, c'est ton super jouet ça? Ah oui, c'est tiré. Ah ouais, c'est bien, t'es fait les deux là. T'as désactivé les armes, c'est bon ça. Une belle qualité de déplacement, moi je l'ai vu. Un peu là. Ah ouais, ils ont été bluffés quoi. Par contre, Damien, faut qu'on. Qu'il arrête ses conneries. Remplacer Shift G. C'est Shift quoi? Shift G. Et en fait, ça met les mains sur la tête. Et en fait, avant. C'est quoi alors? Non, c'est quoi maintenant? Shift R. Et du coup, c'est pour ça, là-bas, je devais t'assommer, j'ai mis les mains sur la tête. Donc du coup, j'ai frappé comme un bœuf comme je pouvais, j'étais en panique, je comprenais rien. Il est plus là, il est plus avec... Non, mais il est plus avec nous, John. Non, mais je vois le trop bien de mec qui a buté tout le monde. Je me rends, monsieur le président. Ok, ouais, non, John, il est parti s'expliquer avec les Visconti. Okay. Ce qui est logique, t'élimines un des soi-disant leaders du groupe. Ah, mais en fait, moi, à l'origine, on cherchait le président partout. Et je vais monter dans la tour, je vais peut-être réussir à voir John. Je monte dans la tour, et quand tu montes, bah t'as dû le voir, Kaiser. Ah merde, il est parti. En fait, tu vois pas la tour. Tu vois ce qu'il y a au-dessus de la tour. Et j'ai vu Marshall. Et j'ai vu Marshall accroupi dans son coin. Eh, Marshall, t'as juste de la chance d'un truc, c'est que Kaiser était dans la même position que toi tout à l'heure.
Je vais coller une balle. Vous venez me passer à côté, vous êtes pas arrêté. On est en train de te chercher en fait. Et vous êtes passé devant moi, je vous ai dit. Ah, c'était le car shop. Ah, j'avais compris le garage. Ah merde. Et ouais. Salut militaire et tout. Un petit event comme ça, ça fait du bien. Ça fait du bien de temps en temps. Ça change. Bon, maintenant on va programmer la suite. Je posterai sur le forum. Mais ouais, plutôt un départ. Je voulais quand même te montrer ce que j'ai fait là tout à l'heure. Ah ouais, non mais vas-y, je suis preneur parce que... Deux voitures, c'est vous ? Ouais. Oui. Mais te TP, tu vas voir. Mais en plus, là, le pire, c'est que la maison, de la façon que tu l'as mise, les snipers, on est très limités pour l'attaquer. Ouais, mais c'est ça qui fait que c'est intéressant, il est obligé d'avoir... Attends. Comme tu veux. Ah yes ! Ah génial ! On dirait un début de piste de course. Non mais c'est ce que je voulais faire en fait, sur l'île des Tijuana. Je vais voir avec toi. Le soir c'est super beau. Hein. Ouais. Donc, je l'ai convenu ça avec Abelardo, vous avez une petite prime. Et en fait, Marshall, tu vois la voiture qui est là. L'espèce de petit buggy. En fait, ce que je voulais faire, c'était voir sur l'île des Tijuana, un endroit si on pouvait pas mapper, c'est une sorte de petit circuit. Et organiser de temps en temps un petit event course avec une prime organisée par la famille Tijuana avec une prime à la clé. Il est là-bas, oui, viens voir. Il est là. Ah, t'as créé le circuit aussi. Étoile au niveau de la là, de mu. À droite. Faut juste le mettre le béton à ras du sol. Ouais. Faire le. Ah, déjà un début de circuit. Après, tu peux faire des fantaisies. Mais celui-là il est. Ouais, mais je te montrerai le tracé. Moi, c'est vraiment, tu sais, un truc où tu mélanges la plaine, la montagne, les pentes bien casse-couilles. C'est vraiment le truc où t'as vraiment tous les styles de pilotage en place. Ah, nickel. Et là-bas, t'as un second hôtel là-bas, tu vois. Ouais, bah, il y en avait déjà un à l'intérieur de la ville. Ouais, mais ici, comme c'était fort vite là-bas. Ouais. Ah non, mais il est pas mal le car shop que t'as fait. Ah, c'est sympa. Ouais, par contre, ce total là pour prendre d'assaut, il est casse-couille. Hein. La maison. La maison présidentielle là, elle est vraiment chaude à prendre en main. Hein. Ah ouais, y a rien à l'arrière et tout. C'était tendu pour rentrer. Et puis, j'ai envie de te dire, tes gars, ils sont couchés au premier étage ou au deuxième. De l'extérieur, tu peux pas les avoir. Hein. Sniper, les mecs, bon, ici. Alors, avec le brouillard, je les aurais peut-être vus en hauteur, mais sinon, de loin, je ne les voyais pas. À l'origine, ce que je voulais faire, c'était... on aurait un peu plus de temps, je crois que j'aurais programmé un sniper, tu sais, pour allumer les deux tours, comme j'ai fait sur la tête à Kaiser. Et après, faire, tu sais, un largage en parachute. Mais larguer des mecs en parachute. Faire un largage. Ben, c'est ce que je pensais faire, mais avec le brouillard qui s'est installé, le peu de temps pour s'organiser. Tu sais quand t'as marqué le message action STP. Ouais. On avait des mecs encore à 8 km de la zone. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit groupe qui a commencé à faire du bruit, a commencé à tirer, et que moi j'ai commencé à faire sauter des têtes. Non mais on a mis l'ambiance, voilà tout. Hein. Non mais vous avez bien joué le coup. Hein. Mais tu vois, nous c'est le premier contrat qu'on donne aux Lumières et avec les résultats qu'ils nous ont fait ce soir, ils vont avoir du boulot les mecs. On va leur donner du boulot. Ils ont des fourraillés. Hein, ah ouais, non mais ils ont très bien joué. Non mais ils avaient de l'équipement du Cameroun là. honnêtement, j'ai tout enregistré donc on va bien se rendre la gueule sur les vidéos. Ah, carrément. Parce que j'ai dû couper le live en fait parce que j'ai un souci de